Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous ma table de Ramadan. Zul flawen, marhaba yeswen la chaîne ou aslamen wen et wedi glan et marhaba yeswen et wedi diarnen di jdiden. Assega soujda table de Ramadan yidwen. Tmenni dli recette rawni di ajbe. Qimou thidi. En premier, je vais préparer notre pâte, voilà, toujours en premier. Là, j'ai mis un verre de lait tiède, une grande cuillère à soupe de levure de boulangère. Je rajoute une grande cuillère à soupe de sucre. Je mélange le tout. Voilà, on va préparer les salés. En premier, je prépare la pâte, je le mets de côté et j'attaque mes plats. Je rajoute 2 grandes cuillères à soupe d'huile. On ne voit pas bien parce que c'est la vapeur. Voilà, j'ai mis une marmite sur la plaque et c'est pour ça qu'il y a la vapeur. On ne voit pas bien. Désolée. Et je rajoute une grande cuillère à soupe de yaourt nature. Voilà, là, moi, j'ai pris 2 petites cuillères. Voilà, vous mettez une grande cuillère à soupe de yaourt nature. Je rajoute un œuf. Je mélange. Et voilà, je rajoute la farine à fur et à mesure. Voilà, qui m'aider à être même fait le caisse. الكاس يفكي يموزغلن يستعملون ثغنجاوة نسكوى ثغنجاوة نطرونية سنة ثغنجاوة نزيف ثغنجاوة مقرانة الياورت ناتور ثم الليلت الفارينة ونسويت نغاجوت السل سنالو الملح فو با أوبلي السل فوالا. On va ramasser la pâte. Il faut y aller doucement avec la farine. La guinée, c'est Et là, je rajoute une grande cuillère à soupe de beurre mou, voilà. Et je mélange le tout et je le mets de côté, voilà. Là, je vais faire le plat principal. Là, j'ai pris la cocotte, je mets un peu d'huile, un peu de semaine et je rajoute ma viande. Moi la viande, c'est de l'agneau, pardon. Voilà, je rajoute les oignons. Voilà, à peu près une à deux. Je rajoute le persil, un peu de sel, un peu d'ail, le gingembre, poivre blanc, un bâton de cannelle. Voilà, et vous laissez à feu moyen et vous mettez de l'eau chaude, toujours avec l'eau chaude. Et là, je vais enlever le sel à mes olives. Voilà, je vais les passer 2 fois à peu près dans de l'eau chaude, bouillante. Et là, je prends ma viande hachée. Je rajoute à peu près 2 cuillères à soupe d'oignons, l'ail, le persil. Là, je vais hacher mes olives. Voilà. Je rajoute les olives, dans la viande hachée. Je rajoute un peu de sel, poivre noir,
le gingembre, un peu de semaine. Comme ça, la viande ne sèche pas, elle va être tendre. Et là, je rajoute les œufs à fur et à mesure. Voilà, là, j'ai mis une. Ça dépend la quantité de viande. Moi, là, j'ai mis à peu près 350 à peu près à 400. Et là, je rajoute juste le blanc. À peu près pour 10 personnes, il vous faut 1 kg de viande hachée. Voilà, j'ai les champignons. Je les passe au beurre. D'ailleurs, les champignons, nous n'avons pas l'air de l'eau, et nous n'avons pas l'air de l'eau. Et ensuite, je les plonge dans la sauce avec les olives. Voilà, je prends une poêle, je mets un peu d'huile d'olive, je rajoute les oignons. Là, je vais faire la farce pour les saler. Et là, c'est le poivron rouge. Si vous voulez rajouter poivron vert, c'est quand vous voulez. Et j'ai rajouté la viande hachée. Et là, je vais faire le boudin de viande hachée, le roulé. Voilà, j'aplatis ma viande hachée en longueur. Voilà, quand vous voyez sur l'image. La viande hachée. Je rajoute le fromage. Vous rajoutez, vous mettez beaucoup. Hein. Comme ça, quand on le coupe, le roulé, on va le voir à l'intérieur. Alors, vous mettez beaucoup de fromage. Et là, je roule et je serre. Il faut bien serrer. Voilà. Il faut bien serrer. Voilà, comme ça. داكي كني دنا مثلا تاع فرماج كنت خممت ساطاس يمكن ما تجزممت الغوليه كيني عندي فينو فرماج ني داخل اي ensuite je rajoute le papier aluminium voilà je le pique et je le mets à la vapeur voilà à peu près 40 à 45 minutes à la vapeur. Là, je rajoute à ma farce les olives coupées en rondelles plus le persil et je le mets de côté. Là, on va dégazer la pâte. Voilà. On va les couper en petits morceaux. Voilà, là, j'aplatis. Ni trop fine, ni trop épaisse. Là, j'ai mis... le fromage à tartiner dans la poche à douille, je mets autour et je rabats les comme vous voyez sur l'image. Il faut bien appuyer comme ça à la cuisson, ça s'ouvre pas. Voilà, ceux-là je vais les faire à la viande hachée. Voilà les ronds. Voilà, je mets le fromage à tartiner. Et je rabats les côtés. Je les rabats au milieu, comme vous le voyez. Et j'aplatis avec mes doigts, comme ça la cuisson, ça s'ouvre pas. Et là, je vais faire une autre sorte, pardon. Je vais aplatir ma pâte en longueur, comme vous le voyez. C'est la même chose. Je rabats les côtés. Voilà, à l'intérieur, toujours il faut aplatir. Ensuite, dès que je finis, je le laisse de côté pour doubler le volume. Voilà, à peu près 10 minutes à 15 minutes. Et là, je reviens à notre sauce. Je prends un peu de sauce, je rajoute le fromage à tartiner, je mixe le tout, voilà, et je verse le tout à l'intérieur. Voilà, là, c'est la sauce au fromage. On va accompagner le roulé à la viande hachée. Voilà, 10 à 15 minutes, on revient à nos salés. Je rajoute un peu de tomate à pizza à l'intérieur. Je vais vous donner un peu de formule. Je vais vous donner un peu de
هذا اللي انت بريباري 10 على 15 دقائق لكن ثوالا ديجا شوف انت شي طوح ensuite راه سنت طوماطي شني لا بيتزا على الداخل ثم دورينا قاس نتخدم على لافيون داشي ولا لا فارسني دو سبور ثورا سي وسفاني الناس تخمع الملكيس فوالا Voilà, 10 à 15 minutes, on revient nous saler. Voilà son doublé de volume. Voilà. Les rondelles, je mets un peu de viande hachée. Voilà, et les langues, je vais mettre les merguez. Voilà, les saucisses. Voilà. Voilà, le merguez, je l'ai déjà cuit à la poêle. Voilà, il est déjà cuit, le merguez. Donc, j'espère que le merguez est nous, j'ai fait qu'on va mettre le merguez, et ensuite, on va le placer avec. Les rondelles, je rajoute la mozzarella. Voilà, le fromage, le gruyère, ce que vous avez. Voilà, et cela, je rajoute le fromage à tartiner. Voilà. Je prends un jaune d'œuf, pardon, avec un peu de lait. Et je badigeonne mes salés, juste les côtés. Et ensuite, les côtés. Et j'ai rajouté un mélange de sésame et les grains de nigel sur les côtés et je les mets au four à peu près à 190 à 200 degrés. Je prends une poêle, je mets un peu de beurre dedans et j'ai passé mon roulet à la poêle. Voilà, et là il faut couper doucement parce qu'il est fragile. Voilà le résultat. Et ensuite, je rajoute au milieu la viande, les champignons, les olives. Voilà notre table. Voilà la chorba. La salade. Voilà le plat principal. Voilà au milieu, j'ai mis la viande. Plus les olives, les champignons. Voilà nos salés. Voilà, il y a deux sortes. À la viande hachée et merguez. Elles sont trop trop bonnes. Voilà la sauce qui va avec le roulé. Voilà. C'est la sauce au fromage. Les salés qui font de 6 vanines, le pain, le burek, et ça n'est qu'un le roulé qui est la viande hachée. Il fera de la zidane, il y a de la sauce au fromage à côté, la salade. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour plus de vidéos et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Mettez à jour la vidéo et vous le like, le partage. Mettez à jour la vidéo et vous pouvez la vidéo et vous pouvez vous abonner. Je vous laisse regarder la suite.